c'était pas prémédité. Hein. C'est juste, j'avais pas dormi la nuit d'avant. Et... Pourquoi? Parce que j'étais à voir un match au MPG avec un garçon. J'avais peur de m'endormir et de péter alors que je voulais le séduire. Donc je me suis pas endormi. Ouais. Voilà. Et toute l'histoire. Et voilà quoi. Voilà. Et vous? On rassemble 10 comédiens et humoristes sur le même plateau et le premier qui rit sort. Ah, putain, faut s'attendre à tout ça et puis je suis pas prêt, je suis pas prêt. Ça va être chaud, hein. Moi, en vrai, j'ai vraiment demandé à des potes à moi, j'ai dit, voilà, ce soir, j'arrive au dîner et je vais pas gaulerie une seule fois. J'ai pas du tout tenu. On avait des accessoires ou des petites cartouches, mais sinon, c'était que de l'impro. J'y étais normal, tu vois, genre vraiment, en mode serein. Je me suis dit, bon, je vais pas rigoler, frère, je suis un grand garçon, j'ai 23 ans. Je sais quand je veux pas rigoler, je sais quand j'ai envie de rigoler, tu vois. Elle, vraiment, faut... sur les petits trucs, tu vois. Ouais. Genre des trucs de paix, des trucs comme ça, tu peux l'attraper sur ça, quoi. Bam. Genre plus je suis KO, plus je suis... Je sais qu'un verre qui tombe, je peux me taper une barre à ce moment-là. Ouais. Ouais. Si je suis fatiguée, c'est mort. C'est it's ciao. Je veux dire, si vous me dites, est-ce que les Bodins se font rire ou un truc comme ça, je vais dire, je suis pas sûr. C'est peut-être pas la cible. Même les Chevaliers du Fiel, j'en sais rien. Pas la cible. Et pourtant, ils aiment ils se cassent le cul, ils aiment la peine. C'est... Non, et puis voilà, ils plaisent à beaucoup de gens. Donc voilà, donc c'est pas... C'est pas mon humour, ça veut pas dire que ce soit de la merde, c'est pas simplement ma cam. C'est très, très subjectif, hein, le rire. Il y a un vrai truc, c'est que plus tu vas contre quelque chose, au plus t'en as envie. Ouais. Mais si je me dis ris pas, à ce moment-là, je peux faire un vrai truc nul qui va m'auto-faire rire en plus, tu vois. Moi, je me suis endormi, il faut le savoir. Mais c'était pas prémédité, hein. C'est juste, j'avais pas dormi la nuit d'avant. Et... Pourquoi? Parce que j'étais à voir un match au MPG avec un garçon. J'avais peur de m'endormir et de péter alors que je voulais le séduire. Donc je me suis pas endormi. Ouais. Voilà. Et toute l'histoire. Et voilà quoi. Voilà. Et vous? Donc tu détournes. Moi je sais que j'ai énormément mangé de choses. Moi je pensais à des gens morts de ma famille. Genre ma grand-mère notamment. Ça a marché les 10 premières minutes. Puis après ça me faisait marrer ma grand-mère. Donc bon. Oui, tu pensais pas spécialement à des choses. Triste, mais quoique parfois les choses sont tellement tristes, elles m'atteignent tellement que le réflexe est de rire. Bah, par exemple, Audrey Fleurot, elle est comédienne et elle n'est pas forcément rigolote. Et bah, elle a réussi à. Elle nous faisait pas rire et en même temps, elle riait pas aussi. Donc... On est tous dans le même bain en vrai. Ah, c'est ça. Ouais, on est tous dans le même bain et il faut jamais lâcher ta concentration, ton attention et. Bah alors, sans vouloir remettre une couche, mais par exemple, Audrey Fleurot, elle a un truc où nous, on est là, on voulait chercher à se faire rire. Elle n'était pas en train d'attaquer, nous, on attaquait tout le temps. Et elle était dans un truc un peu de défense, et du coup, elle était un peu inatteignable. Je crois que c'est Gérard. Ouais. Comment tu vas faire, tu vois? En plus, il y a vraiment un danger, c'est-à-dire que si tu vas vers lui pour essayer de le faire rire, tu peux vraiment à ce moment-là t'auto-tuer. Tu te prends un bide face à Gérard Darmon, c'est dur quand même. Et tu sais, regarde, genre vraiment avec irrespect et déni, genre, t'essaies de faire quoi, là? Tu vois, vraiment, genre, qu'est-ce que t'as cru, tu vois?